Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui sur Assassin's Creed Odyssey. J'espère que vous allez bien. Moi les amis, en tout cas j'aime la plateforme comme d'habitude. Il est temps les amis de casser la gueule, hein, je vous le dis. Il est temps de faire mal, il est temps. Il est temps d'avoir le temps, Myrin est à bord, tranquillou pépouze, on y va. Chacun à son poste. On a des gens à tuer là-bas, ils sont déjà en... Allô, autour de la droite, c'est parti, tribord. Allez. Bah écoutez, lui il s'isole, moi je dis pas non. C'est parti. Maintenant, on voit de quoi nous sommes capables. Tirez. Maintenant. À vos flèches. Attention. Tournez. Soyez prêts. N'expliquez pas vos flèches. Mais là on l'isole, on va le couler tout seul de son côté. Attention Myrin, attention à ta fesse. C'est bon. Mais maintenant faut aller aider les autres. Allez. Sortez les rames, on y va. T'as pas peur, on y va. Des grands guerriers. Les rameurs sont récupérés. C'est bon. Assez. Soyez prêts à tirer. On attaque. Il faut l'aider, hein. Assez en position. Maintenant. On peut vite le détruire, comme ça on est tranquille. Attention à vous. J'attends un archer, c'est bon. Oh là, attention. Carrément grimper dessus. Vache. Lui il coule, c'est bon. Oh la vache. Je pense qu'on peut lui foncer dessus les amis. Larguez les amas. Attention, promenez-vous. On se protège. On tourne, les amis, on tourne. On est protégé, on se protège toujours. Et là, on fonce. C'est parti. Et on finit une flèche. Vite, une flèche. Tant pis, on finit à harpon. C'est bon, bien joué, les amis. Il n'en reste plus qu'un. C'est parti. Demi-tour. En avant, toutes. Plus de rame. Allez, au maximum. On va gagner, les amis, on va gagner. Ouh, quel début d'épisode. Attention, on va l'attaquer sur tout bord. Si vite qu'il est possible. C'est parti. C'est le navire mère. On se protège. Recharge. On attend. On tire. Piloté à droite. Harpon. Envoyez les lances. Attention. On se protège. On fait attention. Il va nous foncer dedans, le salaud. Des archers devant. On a beaucoup de chance qu'il gèle. C'est l'équipage de Myrin, il est performant. La proue du bateau est en feu. Oh, tu m'as énervé. Tu m'as énervé, je te fonce dedans. À l'abordage, les amis. À l'abordage, on va leur casser les fesses. Oh là là, c'est des petits archers, hein. Ah, ils aiment ça. Fiou, 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 fiou. Ah, sérieusement, vraiment plus haut.
Eh bien, écoutez, on y va. Allez, concentration les amis, ça va pas être... Paf ! On y va, on continue ! Il a cru pour pas m'avoir, petit salaud. Paf ! Là-bas, il y a du monde là-bas. Attendez, moi j'arrive, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je récupère juste les trésors. Y'en a pas ? Si, y'en a forcément. Toujours un trésor. Non ? Ah non, y'a pas de trésor. Bien. Eh bien écoutez les amis, on a réussi. Amener Myrine à Naxos. D'accord, donc là on va faire 10 000 km pour rien. C'est l'idée. Il faut contrer Paros. J'étais au courant, Jacqueline, merci. Ouvrez les voiles. D'abord toutes. C'est parti. Bon. Ça va, les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve que en combien, en 6 minutes 38 de vidéo, on a réussi à faire un véritable carnage. C'était une sacrée bataille. Après le bateau, je l'ai quand même bien amélioré. Il y a vraiment ce qu'il faut pour être bien armé jusqu'aux dents pour faire du mal. Enfin faire du mal, non, justement, nous on fait pas le mal. On rétablit... ce qui a toujours existé en Grèce, et là on a affaibli l'île de Paros. Et là on ramène notre mère Myrine à Naxos. Heureusement que c'est à côté. Sortez-moi ces rames ! Alors, on braque, on braque, et on largue les armes. On va s'arrêter ici. Pauvre Myrine, elle se tient à la rempart, elle a du mal. C'est pas trop une guerrière que ça, maman, hein. Non, mais je dis ça, je dis rien, hein. Ça ramène même support. Jacqueline ? Naxos semble à l'abri. Ensemble, nous avons fait beaucoup pour sa population. Mais maintenant, il faut oublier ses rivages. Et aller détruire le culte. Il est partout, et nulle part. Ses adeptes sont innombrables. Par où commencer ? On va couper les têtes de la bête, l'une après l'autre. Jusqu'à ce qu'elle soit aveugle et sans défense. Sparte. Sparte ? J'y ai toujours de l'influence et des alliés. Nous allons regagner notre foyer et le libérer de l'emprise du culte. Ce sera un exemple pour tous. Oui, mais dangereux. Le culte tient fermement Sparte. Il est temps que nous rentrions, n'est-ce pas ? Oui, ensemble. Main dans la main, avec un petit biberon. Il ne me reste qu'une ou deux choses à faire ici. Dès que tu seras prête, nous partirons en Laconia. Je crois que tu as quelque chose à faire avant. Quoi ? Tu dois retrouver ton père. Ah non, hein. Ses paternités deviennent pesantes. Oui. Je commence à être lassé de ces histoires de paternité. Oui, ça devient chiant, hein. Moi aussi j'en ai marre. Mais il y a des choses que tu dois savoir si nous voulons en finir avec le culte. Ah, parce qu'il y a aussi des lieux occultes. Je sais que tu cherches des réponses, et je tiens à ce que tu les aies. Oh là là. Mais ce n'est pas à moi de tout révéler. Avec un peu de chance, tu comprendras un jour. Oh là là. Tu trouveras ce que tu cherches sur l'île de Terra. J'ai indiqué le trajet à ton navigateur. Ah du coup c'est bon, on a fini avec Paros. Je viendrai. Paros pas ci, Paros par là. Poséidon te garde. C'est bien, Jacqueline. Bon voyage. Ah oui, donc du coup maman... D'accord, maman du coup elle continue sa vie quoi, c'est l'idée. Front uni, et l'autre quête, est-ce qu'on l'a terminé? 30 000, rien que ça. Et l'autre quête, on l'a fini, oui ou non? Nouvelle quête, on s'en fiche.
parle de l'autre quête. Est-ce qu'on me donne des remerciements pour l'autre quête? Non. Donc j'ai pas fini finalement. Ah bah si. Ici. Ah bah oui, on a compris. Très bien. Des informations sur votre vrai père. Alors ça c'était le truc Xenia, là, la folle dingue. Oui, alors les quêtes de Xenia, hein, les quêtes annexes qui nous donnent des récompenses innombrables, c'est casse-pied. Hein. Non. Origine réelle. Myrine dit à Alexios que son père vivait caché quelque part sur l'île de Terra. Elle invita son fils à chercher là où se trouvait jadis la civilisation. Ou alors, mon foyer est là où est ma madre. Après avoir aidé sa mère à assurer l'avenir de Naxos et appris où était son vrai père, Alexios embarqua pour la Laconia afin d'affronter son passé spartiate et de reprendre, oui, l'endroit où il avait vécu jadis. Mais je pense qu'il est mieux de faire Padré avant. Pourquoi? Parce que justement, Padré est lié à sa vraie vie, donc il est temps de savoir tout ce qu'on connaît de notre père. 3 milliards de mètres. Bien. C'est où? Ah, c'est là? Oh là là. Caldera du destin. Bon, on a pour approximativement 15 ans de naviguer. Quoique non, c'est tout droit. C'est tout droit, tout va bien. Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur cette île? Bon, il y a eux, mais ils me cassent les pieds. J'ai pas trop envie de le faire. Oui, je vais peut-être juste avant vendre. Il y a pas de forgeron. Forgeron. Gens de mon découvert. Attends. Je vais m'occuper du dirigeant. Et après, on ira régler Padré. Pas de soucis. Mais chaque chose en son temps. Et on a commencé direct par des batailles navales, alors permettez-moi les amis de lever un peu le pied. C'est par où? Padré, non, pas du tout. Justement, dirigeant. Le problème, c'est que la mère d'Alexios est aussi la dirigeante. Il faudra lui régler le derrière, mais je sais pas, j'ose pas en fait faire un misclic sur elle en mode oups. Sur certains personnages qui ne sont pas dirigeants, ça pose pas de problème, mais je voudrais pas qu'on change toute l'histoire du jeu. Alors là, il va y avoir 10 000 personnes qui vont l'entourer, ça va être l'enfer. Je dois rester caché pour éviter un combat. Lâche tout ce qui... Il est où? Where is Marcel? Oh là. Rien que ça. Je peux passer sur le côté. Y'a personne derrière, c'est gagné. Il est en train de dormir. En vrai, les amis. Voilà, simplement en fait. C'est pas plus compliqué. Tout simplement en fait. Voilà, comment régler l'histoire d'un dirigeant en 3 secondes et demie, c'est ça. À moins que j'ai pas tué le dirigeant, et dans ces cas-là c'est problématique. Le dirigeant est... Ils vont se ramener évidemment. Tu te bats comme une étoile de mer. Et après j'ai pas besoin de me battre avec eux, donc on fera plus d'y aller en fait. On va plus perdre du temps qu'autre chose. Pas besoin de me bagarrer avec eux. Autant y aller. Hop là. Du coup là maintenant je me téléporte directement à la Drepia, puis on y va. Ouais, y a eux, mais c'est bon, c'est abusé. Marre. Allez, on se téléporte à la Drepia. Et puis direction les traces de notre père, hein, n'est-ce pas les amis? Ah mais voilà, j'ai éliminé un dirigeant. Il y a aussi une quête à propos de la maison des dirigeants, je sais pas trop quoi. On verra ça plus tard. Je vais faire des petits trucs dans les épisodes qui sont pas intéressants. Faut qu'on avance, hein. Il faut qu'on avance dans l'histoire parce que ça devient chiant.
mais quoique là, je crois qu'on est autour des 60% du jeu total. Donc, c'est bien, en fait. C'est-à-dire qu'on se rapproche vraiment de la quête finale. Augmentation du niveau dans les îles. Si vous pensez devoir accroître votre niveau avant d'aborder une quête, alors les îles voisines, j'ai pas eu le temps de lire. Allez, c'est parti. Les amis, petite sieste. Hein, il n'y a plus de montage. Il n'y a plus de montage, alors maintenant c'est du tout droit et rien du tout droit pour vous. Mais non, dans même pas 2 minutes on y est. Oh, tu as vraiment buté toi. Mais accélère pas quand j'accélère, Jacqueline. Oh ah yeah. C'est bon. Mais t'inquiète pas Michel, on y va. D'accord, donc c'est cette île complètement gigantesque. Elle a l'air énorme. Complètement inconnu, hein. Je suis jamais allé dans cette zone. Donc là voilà, on va retirer ce truc là. Donc à l'approche de l'île, il faudra faire le tour et rentrer à l'intérieur. Ça roule. D'accord, donc là, c'est par là dans un premier temps. J'ai du mal à discerner, je sais pas si vous y arrivez vous. On va voir correctement les contours. On est encore loin, hein, c'est pour ça. Oui, là, il y a un énorme rocher. Je vais le contourner. Je sais pas si je peux passer entre deux. Ah, je pense que je peux passer entre deux. Passer entre deux. Tant mieux. Bon, allons-y. Là, il y a un énorme fort. Oula, par contre, non. Je vais m'engager dans un truc... Ah bah si, c'est ça justement, non? C'est derrière? Attendez, carte s'il vous plaît. Truc là? C'est bizarre, ça correspond pas. Si, si, c'est ça. Par contre, il n'y a pas de port d'attache. C'est bon. Agréable cet endroit. Ah oui. À boire. On s'arrête ici. Un marais de navire. Wind de pasta. Comme les pastas. C'est chiant, je vous jure, c'est chiant, moi j'en peux plus. Hein. Alors, à quoi ressemble l'île? Rien du tout, on en a rien exploré. Et là, on est... Waouh, c'est vraiment... Pour être abandonné, c'est abandonné. Qu'est-il ? Voilà le campement. C'est parti. Terra, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Eh ben on verra à quoi s'attendait Alexios au prochain épisode. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de mettre un petit commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Et on se retrouve, les amis, très rapidement pour un de vos épisodes favoris. Les amis, à la prochaine. Bye bye.